Bonjour à toutes et à tous, on est de retour dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire un déblocage de compte Google, un bypass à FRP sur un téléphone Samsung de la gamme AS ou note. On a besoin, comme compris, d'un adaptateur USB, un câble type USB et un deuxième téléphone de préférence Samsung si c'est possible. Alors dans ce cas-là, vous pouvez prêter un de vos amis ou vos proches. Pour faire ce déblocage, l'opération ne va pas prendre plus d'un quart d'heure. Alors, pour commencer, vous devez connecter votre appareil bloqué sur un réseau wi -Fi. Là L'appareil va vous demander de mettre un compte Gmail. Alors, en tant qu'on ne possède pas le compte et le mot de passe d'origine, on est obligé de retourner en arrière, d'aller sur le paramétrage réseau, et d'ajouter... Un, un réseau, puis vous allez sur l'écran de paramétrage, vous descendez en bas sur l'option l'avant-dernière, sweep touch and feedback, c'est l'avant-dernière, puis sur la dernière, touch feedback ou retour feedback, puis sur sound and vibration, sans vibration, puis vous allez juste suivre les étapes sur l'écran qu'on voyait. Par contre, dans cette étape-là, vous devez avoir une carte SIM valide avec un code PIN. Si vous n'avez pas de code PIN sur votre carte SIM, vous devez le mettre. Ça ne va pas prendre plus de 10 minutes pour mettre un code PIN sur votre appareil. Puis vous faites glisser l'emplacement de carte SIM à moitié et appuyez plusieurs fois sur Chercher ou Zitch. Puis vous glissez en même temps la carte SIM jusqu'au bout. Et ça vous donner vous cet écran là qui vous demande de mettre le, le code PIN. Alors vous faites retirer la carte SIM, totalement la carte SIM, appuyez sur OK, puis à l'aide de, de cet écran là, essayez avec les doigts de, de retirer d'un côté l'écran et d'appuyer avec le deuxième doigt sur l'écran de notification. De toute façon à la fin vous aurez cet écran, allez sur media. Vous voyez là vous devez aller sur media. Appuyez sur le bouton de redémarrage pour retourner à l'écran. Puis sur cette, cet écran là, sur, cette, sur ce bouton-là. Et là vous devez télécharger l'application Samsung Smart Suite. Si vous avez déjà l'application, il suffit de mettre la mise à jour. Sinon, vous faites télécharger cette application Samsung Smart Switch mobile. De toute façon, vous devez avoir cette application sur les deux téléphones. Sur le premier, le téléphone bloqué et sur le téléphone débloqué. Celui que vous venez de, de prêter pour cette opération. Donc, faites appuyer sur « Recevoir ». Puis sur Android, 8 puisque notre deuxième téléphone est un Samsung puis vous faites connecter le téléphone bloqué à l'aide d'adaptateur avec le deuxième téléphone de bloqué celui qu'on vient de prêter pour cette opération Là, je précise qu'on a besoin de ce deuxième téléphone juste pour faire copier le compte Google sur notre téléphone bloqué. Et c'est ce compte Google qui va nous aider à débloquer le premier téléphone. Donc, j'appuie sur Envoyer pour envoyer le compte Google sur mon téléphone bloqué. le même sur mon téléphone bloqué et là j'ai les deux téléphones connectés donc il suffit de commencer à copier les éléments de mon téléphone débloqué sur le premier téléphone alors comme vous voyez une deuxième fois vous devez avoir l'application sur les deux téléphones cette application samsung suite smart que je viens de télécharger sur play store pardon samsung service play si les téléphones vous demande d'autoriser l'action vous devez mettre autoriser pour pouvoir connecter les deux, les deux téléphones là on est en train de copier les éléments et comme vous voyez j'ai les applications, sitting et Home street screen sur mon deuxième mon premier téléphone pardon. Je fais transférer. L'opération va prendre de 2 à 3 minutes. Puis je n'ai plus besoin de mon téléphone débloqué donc je peux rendre le téléphone débloqué. Alors il suffit d'avoir le mot de passe de compte Google de votre téléphone débloqué que vous venez de prêter. Ça, c'est très important, sinon vous ne pouvez pas ouvrir votre téléphone. Voilà, comme vous voyez sur le téléphone débloqué, j'ai le compte Google Cybersolution76.gmail.com. Donc, je dois avoir le même compte Google sur mon téléphone bloqué. Après, vous devez avoir aussi, comme je viens de dire, le mot de passe. Sinon, vous ne pouvez pas aller loin. Alors, je fais taper mon mot de passe. Puis, il y a les éléments qui, qui passent directement, ou bien les applications et le compte Google qui passent directement sur mon téléphone bloqué. Alors là, on est dans l'étape l'avant-dernière. On attend le transfert des éléments ou bien des données. Le transfert des données du téléphone débloqué sur le téléphone ou bien l'appareil bloqué. Puis, je peux le déconnecter complètement et rendre le téléphone. Si ce si, n'est si, si, pas votre téléphone à vous, vous pouvez le rendre. On n'a plus besoin. Une fois... Le transfert est terminé. Je débranche les deux téléphones. Et je fais suivant, suivant, suivant. Ou je suis juste les instructions sur le téléphone bloqué. Sur l'écran du téléphone bloqué. Là comme vous voyez, le compte est déjà transféré. Vous pouvez sauter les éléments qui ne sont pas nécessaires pour ne pas avoir ne pas avoir euh, pour ne pas mettre beaucoup de temps. Alors, je fais échapper au Skype, je saute cette, cette option-là ou bien cette, cette étape-là. Voilà, je saute, je saute aussi le compte Samsung, je n'ai pas besoin pour l'instant. Là, comme vous voyez, j'ai le menu de mon téléphone. Avec le compte Google du téléphone débloqué, donc il suffit de passer à la dernière étape, c'est de faire une réinitialisation complète de mon appareil. Comme ça, je garde pas le, le compte Google. Comme ça, vous gardez pas le compte Google de votre téléphone débloqué si c'est pas à vous, bien sûr. Quant à moi, quant à moi, je garde le, le même. Email, et vous pouvez même nous écrire sur cet email. On va vous répondre si vous avez des questions et des commentaires. Il suffit de nous écrire sur, ce, sur cet email cyber.solution76 Alors, cette, cette, cette méthode fonctionne sur les Samsung, Samsung sous euh, la gamme A, la gamme S ou la gamme Note. Essentiel que ce téléphone-là fonctionne sous Android 10. Alors là, on est sur la dernière étape c'est de suivre les instructions sur l'écran pour finir l'installation des applications après une réinitialisation ré 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 complète de l'appareil. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous, que vous arrivez à débloquer vos téléphones. N'hésitez pas à nous écrire, à commenter le travail et de nous soutenir par des likes ou j'aime pour pouvoir continuer dans le domaine. Merci bien et à la prochaine vidéo.